Donc voilà, ils sont fait connaissance, tout ça. Donc, vous voyez, le caractère de Silmeria est assez franc et assez dur, quoi dire. Donc là, on rentre dans les bois perdus. Donc la map monde, hein, je vous expliquerai comment ça marche. C'est pas très compliqué. Qui au passage est très magnifique. Très magnifique, je sais pas si ça se dit. En tout cas, elle est superbe. Les décors, hein, vous voyez, voilà, on est en coucher du soleil. Donc c'est sûr, c'est pas très très. Mais le décor est super bien foutu. Autre chose, le gameplay, donc c'est de droite à gauche, hein, on peut pas monter, descendre, voilà, c'est droite à gauche. Mais c'est pas pour autant que ça en fait un jeu pourri. Encore une petite cinématique suivie d'un tutoriel que je ferai sûrement pas. We got company. Don't panic. I can use my power here. Hey, what did you do? I hit the monster with sacred light. It's imprisoned in a crystal, temporarily. Sacred light, huh? Curious? Yeah. I absorb energy flowing from the roots of the world tree, Yggdrasil, and convert it to light. That's some power. I guess you're not exactly your average princess. What's wrong? Looks like we'll need to fight it to purify it. Oh yeah, that worked real well. Weren't you listening? I said temporarily. Donc le tutoriel, on s'en passera. Je vais vous expliquer brièvement en fait comment ça fonctionne. We have no choice. Donc la cible, donc en haut à gauche. Vous voyez ses points de vie sont orange avec un petit symbole à côté de son avatar. C'est le chef, le leader du groupe. Alors vous gagnez automatiquement le combat si jamais vous tuez le leader du groupe en fait. Donc ça permet de faire des combats assez rapides. Ensuite la barre d'action, donc elle baisse à chaque fois qu'on fait une action, donc quand on attaque ou on fait un rush, donc un rush c'est ça. Donc l'espèce de truc jaune que vous voyez en face et sur la carte, c'est un coin de fuite, donc si vous allez dessus. Voilà, il vous propose de fuir. Ensuite, on peut voir un espèce de cercle jaune. Donc ça, en fait, c'est mon point d'attaque. Donc si l'ennemi est à l'intérieur de ce cercle, je peux attaquer. Donc les flèches. Donc une flèche orange, c'est là où est le leader. Et une flèche verte, c'est là où est un ennemi. Donc c'est tout con. En face de l'ennemi, donc c'est sa ligne de vue. Donc le truc rouge. Et voilà. Je crois que vous avez tout à peu près. Ah non. Donc la barre de timing, je l'appelle comme ça, donc barre de rapidité. Donc elle se compose de 5 bulles. La première bulle, en fait, vous permet de faire un assaut éclair. Et cet assaut éclair vous donne un bonus de 30 cristaux. Donc les cristaux servent à plein de trucs. Donc, notamment à donner pas mal d'expérience. Je sais pas le taux de multiplication, mais ça donne pas mal d'expérience. C'est pour ça qu'en fait je ferai des assauts directs sur les boss, parce que ben déjà c'est plus utile et ça sert aussi à autre chose. Donc ça sert pour les orbes, mais on en a pas tout de suite des orbes, on en aura plus tard. Que pour le moment on n'y est pas, je vous expliquerai en temps voulu. Pour le petit moment technique, donc 5 lumières c'est 30, 4 c'est 9, 3 c'est 7, 2 c'est 4 et 1 c'est 2 cristaux. Donc voilà, après bon il n'y en a plus. Et il se trouve que j'ai le bonus multiplicateur d'affiché. Car ouais.
Alors, pour chaque cristaux, on a un bonus de 0,01 à peu près. Voilà, 0,02 à peu près. Enfin, c'est plus long. Donc voilà, hein, comment tuer un ennemi, c'est facile. Bon, désolé pour les explications un peu longues, c'est juste pour que vous compreniez. Donc là, on voit 3 cristaux, donc en fait, c'est des cristaux de 10 quand c'est des gros comme ça, donc il y en a bien 30. Et voilà. Donc, c'était tout pour le moment technique et d'explications sur les combats. Huh. Looks like there's something left. The body that held the enemy's psychic energy. It usually vanishes after the psychic energy is purified. So, what exactly did we just fight? Something not native to that body. Fighting it was the only way to reveal its true form. The psychic energy possesses the body and uses it as a sort of vessel. We will be encountering more of them ahead. Watch yourself. Sure. Alicia, you had better keep that in mind too. Right. Donc voilà, donc là c'est l'explication de projection de photons, donc ben il faut utiliser la touche carré. Donc carré photons pour sauter rond et pour donner un coup d'épée pour avoir l'initiative ou casser un cristaux. C'est X. Triangle ne fait rien. Voilà. Donc ça c'est un type de monstre terrien. Donc si je me téléporte. Mince. Si je me téléporte comme ça, il va tomber. Mais sur les monstres aériens, il ne tombe pas. L'avantage, c'est que c'est un cristal plutôt grand. Donc voilà. Je vais me le faire. This might take some time. Hop. Et c'est assez rapide, hein, parce que j'ai bien sélectionné les compétences. Les compétences, cette attaque, pardon. Voilà. This is no place for amateurs. Donc les cristaux tombent aussi quand on les frappe. Ça va dépendre de l'attaque. Donc là y'a rien. Tchic. Alors là il me semble qu'il y a un trésor. Je parle pas de celui-là. Il y en a d'autres. Par contre où ça je me rappelle plus. Ah, et des fois il faudra frapper des murs donc ouais. Je suis en train de chercher à savoir. Ouais. Désolé si je prends un peu de temps, mais j'essaie de comprendre où sont les trésors. J'essaie de réfléchir. Mais je sais qu'il y en a d'autres. Hein. Ça, alors, je suis sûr, certain. Donc.
Alors... Ouais, donc petite scène. Désolé hein, si je prends du temps, mais j'essaye de trouver tous les trésors quand même. It's over there. A hidden underground passage built by Dapan's royal family long ago. At the cost of countless lives. So this will take us all the way to Dapan, huh? It seems that way. What do you mean, seems? Is there something you're not telling me? Don't tell him. Are you listening to me? My Einherjar, come now to fight alongside me for the sake of Midgard. You know of what I speak. Let me out too. I'll fight all you want. Same for me! I as well! Be silent! There will come a time when each of your powers are needed. I'll call for you. Until then, wait in here. I don't believe it. We should keep pushing on. Donc voilà, première Einherjar et cette mystérieuse lumière. Donc Mithra, c'est son nom, à l'Einherjar. Donc, avant ça, vous voyez, il y a un petit contre-fond là. Alors là, c'est pas dur. Car ils sont là, les trésors. Pas forcément évident à voir. Hein. La plupart du temps je les loupais. Donc c'est ce que je vous parlais, hein. C'est vraiment l'item que je cherchais. Mais ils étaient là, donc c'est tout. Donc et ben je vais sauvegarder ici. Et voir si la vidéo va bien, parce que j'ai comme un doute. Et on se retrouve ben, pour la prochaine vidéo. Salut !